Hello à tous, de nouveau Guys de Fullgame Record, on se retrouve sur Ghostbuster encore une fois pour poursuivre notre petite histoire. Je suis monté niveau 8, donc j'ai pas mal farmé un petit peu l'émission. Et là on s'apprête bien sûr à aller voir Ray dans sa petite boutique. Donc let's go. J'ai aussi débloqué des coupures presse. On va aller voir ça de suite. Il va certainement causer. Les coupures presse. C'était laquelle? Voilà, il y avait celle-là. Donc si vous souhaitez lire, je vous inviterai à mettre pause. Et donc c'est parti pour aller parler avec Ray. Oh, you'll never believe it. I was cross-referencing Egon's old research with Tobin's guide, and I came across an almost identical set of findings relating to metaphysically imbued relics. Could be a lead. I'll continue digging. You're doing great. Keep up the good work out there. I don't use the term genius generously, but I'm the most genius of geniuses who has ever geniused. Massive developments are underway. You, me, lab, now. Ok, direction le labo. Look, it's stable. Not the best example, but for people it should be fine. Someone has to go in. The key to freeing Winston from Nameless's possession depends on it. Ray's a founder. Cat's far too important to operations around here. Me, I'm the brightest scientific mind of this generation. So that leaves... Ok, donc Eddie pense que vous êtes la personne la mieux placée pour ça, alors approchez-vous de la brèche pour voir ce qui s'y passe. On va très certainement être englouti, mais allez, let's go. Et voilà. You shouldn't be here. You don't belong here. You... Wait. You're a... Ghostbuster! How in the seven hells did you come through a rift? No. Let me guess. You messed about with things you only half understand. Seems about par for your work. My name is John Horace Tobin. I am the gatekeeper between... Yada, yada, yada. Now you seek my guidance. Things come so simply for the living, don't they? How very lucky you are that the door you opened has the answer on the other side. But know this. I am only aiding you because the creature you're dealing with is a harbinger of something much worse. And if left unrestrained, could mean terrible things for both our worlds. Oh, I do not miss the persistent slack-jawed gaze of humanity, nor do I miss your inability to understand that you already possess what you need. A binding relic imbued with occult powers. A tool meant to keep my legacy out of the wrong hands? The leather strap that sealed my spirit guide! Okay, but it came right off, like it wasn't even knotted. That's not how it works! Oh, forget it. I've had enough of your living stench. Go now, until you return to me in a proper state. Dead. Oh my god, you're alive! Tell me everything! I'm still processing my existence. But in the meantime, I think this will help. You went through an interdimensional rift and came back with an old belt? Not just any belt, Eddie. A binding relic. Sorry for the interruption, but I couldn't help but overhear. The science of the paranormal is pure, uncompromised pursuit. But once you also incorporate good old-fashioned mysticism, it becomes a whole other ballgame. Eddie.
That belt is the key. Not what I would have expected, but I'll try anything twice. I'll incorporate this, binding relic, and let you know when the device is ready. Wait! Let's not be so rash! Let's discuss this! Haven't you heard of diplomacy? Arrogant human! I should take that binding relic and stick it up your ass! Alors attendez, Kitty prépare le dispositif de confinement pour son nom à partir de la relique. D'accord. Welcome, welcome. A breakthrough is inbound. Not bad, huh? Ok. Bon, bah écoutez, chapitre 5, acte 5, la relique liée. Alors on va faire une petite mission en attendant. Et puis on revient juste après pour... Mais cette fois-ci, on va peut-être faire une mission... Mission Ghost. On va aller dans le royaume. Voilà. Acte 5, attendez Kedi. Et là, on peut faire choisir un fantôme. Ah, on peut choisir un fantôme, tiens. On va essayer de faire ça. Alors, ectoplast. Niveau 5, fermez les yeux, pensez à un fantôme, d'accord. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Mouvement, énergie, possession, tease, peur. Applique plus de matière gluante par attaque, réussi. La matière gluante ralentit davantage les chasseurs. Engluer des chasseurs à terre est plus efficace. Fuite du rayon de capture plus facile. Dégâts réduits pour les objets et les pièges. Et vitesse de sabotage réduite. D'accord. Ensuite, on a... Gouluant. Il est niveau 0, lui. Ok. Mouvement, il est plus rapide. Il n'a pas beaucoup d'énergie. Par contre, il fait peur. Donc, délai de réutilisation effrayé réduit, distance possession transfert objet accru, dégâts de peur accru sur les civils en train de se calmer, distance d'effroi réduite, fuite du rayon de capture plus difficile. Ok, bon, on va essayer de le sélectionner. Ah, il est même doré, c'est un truc de fou. Ah, c'est trop stylé. Vraiment, c'est trop stylé. Alors, voyons voir un peu ses capacités. Donc, ultime, hurlement des enfers. J'ai pas lu. Donc cherche à répandre la peur et les bactéries comme sa capacité ultime. Cri d'horreur fait constamment d'exoplas, ça c'est... Ok. Ok. Donc là, ultime, il crache, il fait peur, c'est très bien. Ensuite... Ok, il peut posséder. Ok, il peut posséder le civil inquiet. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Le civil sera horrifié à juste titre. D'accord. Et enfin, les larbins, bien entendu, c'est très important. Ok, bah écoutez, on va essayer. On va l'essayer, lui. Définir classe active. J'ai pas compris. Active type. Bon. Écoutez, on va le mettre lui. Voilà. Donc choisir un fantôme, c'est bon. Et hanter un lieu. Comment jouer le fantôme? D'accord. Ah, il y a comment jouer le fantôme. Voyons voir ici s'il y a quelque chose. Non. C'est juste un didacticiel. Allez, go, on va essayer de trouver une partie. Partie rapide. On se prépare. Ok, 10 secondes avant de trouver une partie. Ah, il est trop stylé, je trouve, regardez. Mais on va lui changer, je vais le mettre en vert ou en bleu. Je pense que ça lui irait mieux que le rouge, comme ça. Ok, donc on se retrouve pour la partie du fantôme. Donc on va essayer d'aller se cacher rapidement. Il y a une brèche ici, d'accord. On va essayer de... Lui, on va essayer de lui faire peur, là. Alors, on essaie de leur faire peur un maximum. On peut on peut essayer de la posséder. Voilà, on va essayer de se cacher ici. Okay.
Allez, on va essayer de se tirer. On va faire ça. Allez, on se casse. Très bien, c'est pas mal ça. On se cache. Il nous a pas vu. On va essayer de faire peur à celui-là. Là, ça serait très bien. Voilà, là, on va les faire se tirer. Ça leur fait peur, là, j'ai l'impression. Whatever you're doing, do more. They're all running scared. Là, je vais peut-être me faire prendre. Non, ça va. Non, non, ça va, ça va, ça va. Je me suis pas fait prendre là. Il nous voit pas. Allez, on va essayer de se tirer là comme ça. On va essayer de se mettre là. Vite, vite, vite. Allez, on va lui faire peur à elle. Ok, on peut entendre que c'est des amis anglais là. Allez, 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 on se tire. C'est un peu plus compliqué de se tirer, malheureusement, là. What a tormented and otherworldly effect you've had on the place. Allez, on va aller par là. Voilà. Are you here to haunt them or bring them a spot of tea? Hurry, you're close. Ils se rendent pas compte que c'est moi, que je suis possédé. Ils se rendent pas compte, oh là là, c'est trop drôle. C'est trop drôle, mais vraiment trop drôle. Je l'ai mis en bateau, c'est énorme. Allez, on est pratiquement à la hantise du bâtiment. Ils ont pas trouvé les brèches. On va faire ça. Ah, ils sont en train de truquer ma brèche. Niveau supérieur, je vais essayer d'aller les attaquer. Allez, faut que je fasse ça rapidement. On va se déplacer comme ça. Ça fait rien. Ils ont une brèche, c'est pas grave. On va quand même essayer d'aller les attaquer, mais je pense qu'on va pas y arriver. Allez, vite, 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 vite. Ouais, ils ont eu la brèche. Best not let them get near those other two. C'est pas grave, ils ont eu une brèche. On est à 99 normalement, ça va être gagné. Sauf s'ils arrivent à me choper, mais je pense pas. Voilà. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Your assistance has paid off, Ghosty. The haunting is complete. Voilà, là je vais juste me cacher en fait, tout simplement. On va essayer de...
peut se cacher quelque part là. Allez, 18 secondes, 15 secondes. Je peux essayer de leur faire peur là. Ils arrivent pas. Allez, allez, allez. Non ! Non, 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 non ! Non ! Non, à zéro ! All in all. J'aurais pas dû faire l'idiot là. J'aurais pas dû. Ok, donc on se retrouve un peu plus tard après la partie avec le ghost où on a perdu à la fin, c'est dommage. J'ai fait l'idiot et je me suis fait avoir, ça m'apprendra. Donc là, on va avancer un petit peu dans la quête, donc retourner au labo. Et donc c'est parti. You made it just in time. Eddie, you good? Locked and loaded. Configuring blast. Ready up, rookie. In case this goes south. Take this as my final warning. If anything happens to me, your friend will be a distant memory. Zeddemore will be Zed no more! Perhaps I'll spare your world from annihilation, but I won't make any promises. Are you okay? I feel like I just got out of the longest shareholders meeting of my life. It worked? I mean, of course it worked. I'm free? No, 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 no! Release me from this enclosure now, or face the consequences! This stupid pickle jaw can't hold me for long! I will bide my time. Amassing my power, and then I will decimate everything you've ever loved. Congratulations. Good to have you back, old friend. You've doomed your Thanks, entire Ray. Speaking of old friend, someone wrath. Get Vinkman on the phone. Eventually, I'd like to have a word. My rage is rising. I will make this firehouse a gateway for hell, unlike anything you've ever witnessed. You haven't seen what I'm capable of yet! Just wait! I know several tongues, the bad ones! It is my utmost pleasure to let you know that your training period has come to an end. Ha! Admiring you! No, we're not! Can someone get him out of here? He requires constant observation. I go where he goes! Congratulations. You are officially a Ghostbuster. We may be a small team, but every member counts. And to commemorate this moment, we got you a little something. Hey, considering what we've been through recently, what do you say we all grab a bite? Pizza's gonna have to wait. We've got work to do. Nah, tough break. But that's the job. Très bien, bah écoutez, on est arrivé, je pense, à la fin de la quête principale, si on peut appeler ça une quête principale. On a débloqué une tenue, on va aller la voir de ce pas. Alors, tenue, voyons voir ce qu'on a obtenu. On a obtenu une tenue spéciale. Ah ouais, elle est plutôt stylée. Elle est plutôt stylée, je vous l'avoue. Alors, est-ce que je pars sur celle-là ou est-ce que je garde la mienne? Je ne sais pas. Ouais, elle est plutôt sympa, mais je pense rester sur la mienne. Je préfère comme ça. Il y a quoi d'autre au niveau des accessoires? Bah, rien de particulier. Au niveau du bandana, on a débloqué un chapeau, c'est cool. Et pas encore pour les... J'ai pas encore réussi à avoir ça. Gants de bricolage, on a eu celle-ci. On va essayer de voir un petit peu ce que ça donne. Ouais.
Allons voir. Ouais, ça peut être cool comme ça. Ou je préfère les jaunes. Ceux-là, elles sont pas mal, mais est-ce que je les change, je leur change de couleur? Non, allez, on va rester avec celle-là, on va tenter. Pour les bottes, bah écoutez, encore, on a encore du pain sur la planche avant d'atteindre le niveau 60. Pour ce qui est des baskets, etc., bon, c'est pas trop mon kiff, personnellement. Je pense que c'est tout. Et là, on a débloqué une espèce de... Ok, on va aller regarder avant de nous quitter. Mais je crois que c'est quelque chose qui nous permettra d'améliorer notre équipement de manière beaucoup plus importante. On va aller voir ce que c'est là. Alors, contrat de recherche. D'accord, donc en fait c'est des défis. Contrat de recherche propulseur, donc sprinter sur une distance totale de 15 km avec le lanceur de particules, libérer 5 brèches des mains d'un fantôme, d'accord. Et on a quoi en récompense? On a des espèces de... Je sais pas si c'est des pièces ou... Et ça va nous permettre en fait de débloquer par la suite. Ouais, on en a plein. Ça va nous permettre de débloquer en fait des plans pour améliorer nos armes. Je vais vous montrer... Enfin, pour améliorer notre équipement. Je vais vous montrer ça ici. Par exemple, quand on va ici, il y a des plans qu'on peut pas encore... qu'on peut pas avoir. Donc imaginons qu'on aille sur le lanceur de particules. Si je vais ici, ben, il y a le pulse au fouet. Voilà, qui n'est pas débloqué. On est obligé d'effectuer certains défis avant de pouvoir donc l'avoir. Donc voilà, ça permet de farmer un petit peu. Bah écoutez, on va s'arrêter là puisqu'on est arrivé à la fin. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à m'ajouter si vous souhaitez jouer à SOS Fantôme. Je serais ravi de vous avoir avec moi. N'hésitez pas aussi à vous abonner bien sûr pour ne pas rater les prochains Let's Play. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.